Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est bien évidemment Lival, mais vraie question, comment allez-vous? En espérant que la connexion n'ait pas de problème, parce qu'évidemment, ma connexion a toujours des problèmes ces derniers jours. En vrai, ma connexion internet s'est stabilisée au final. Il n'y a eu qu'un stream où c'était un petit peu compliqué. Mais ouais, le problème, c'est la connexion sur mon tel, où là, c'est hyper relou, quoi. Que je sois en Wi-Fi ou en connexion internet, ça bugouille. Bref, j'espère arriver sur la fin de mon rhume. Et on est parti, bien évidemment, sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Et ouais, on va peut-être faire le prochain temple, parce que rappelez-vous, la dernière fois, on a fait du coup le premier temple qui est conseillé par le jeu, c'est-à-dire le temple des Piaf. Et du coup, on a obtenu ce pouvoir. Et il y a un pote qui m'a dit que bah, eux, ils vont nous suivre tout le temps. Et qu'évidemment avec les autres temples, bah on aura des petits bonhommes comme ça qui vont nous suivre tout le temps, et bah je trouve ça très mal branlé pour le coup. Et vraiment dommage. Donc malheureusement ce sera comme ça. Donc la dernière fois, on avait fait le temple. Et en plus, on est du coup allé donc du coup vers la droite pour faire le labyrinthe. Alors je sais plus comment s'appelle l'ancien château des dalles, donc voilà le premier château des dalles et celui qui est juste après, ce qui m'a permis d'obtenir quelques petites armes sympas, dont un arc que j'ai dû utiliser sur un boss entièrement, un boss ombre de Ganon, fantôme de Ganon, je crois, fantôme de Ganon, après avoir battu le mob avec les yeux et les mains là qui te suivent. Donc ce mob, si on le re-rencontre, on sait que le feu c'est sa faiblesse. Mais c'est assez relou, surtout si derrière ouais y a un fantôme de Ganon qui pop quoi. Ce que je sais, c'était un donjon, je sais pas lequel par contre exactement. J'avais déjà vu ce mob. Mais je sais pas s'il y avait des... Le truc de Ganon. Et ça, c'est un petit peu le truc où, bah, on sait pas. Bon, allez. On est parti, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller vers les Gorons. Donc, du coup, il faudrait débloquer la tower pour débloquer cette zone. Et pour les... Bah d'ailleurs c'est tout droit donc c'est parfait. Et après pour les Gorons, bah je sais pas trop comment on va gérer ça. Parce que j'ai des trucs anti-chaud normalement. Mais je sais pas si ça suffira. Là j'ai un anti-chaleur niveau 2 qui dure 8 minutes donc c'est bien. Mais j'imagine ouais, il me faut un truc niveau 2 quoi. Mais ça serait bien que... Oh. Oh, mais attends, il me faut de... Il me faudrait de l'énergie. Ouais, parce que là, je vais pas passer, hein. Ah, il y a un dragon. Il est où le dragon? Je sais pas pourquoi j'ai la musique du dragon alors qu'il n'y a pas de dragon. Oh putain. Oh non, de si peu. Oh là, c'est my bad. Non là j'ai fait de la merde. Il faut que je retourne là. Ah c'est très my bad. Non non, de toute façon je ne peux pas le faire. Alors à moins que je gère... Comment je pourrais faire? Si. Si je sais. Je vais monter tout en haut. Alors du coup. Je vais remonter tout en haut. Du labyrinthe du haut. Parce que là je suis parti du bas. Et c'était pas le mieux. Parce qu'en vrai j'ai assez d'endurance. J'ai assez d'endurance pour faire ce que je viens de faire. Sauf que le truc c'est que je suis parti d'ici. Et ça veut dire, ouais, j'ai dû me taper tout ça. Et c'est pas ouf, faut vraiment que je parte du haut. C'est le mieux.
Alors du coup, faut que je retrouve également comment on fait pour entrer. Après, il me semble, il faut juste tourner autour et c'est bon. Ouais, voilà, c'est là. C'était facile, c'est ce qui me semblait. Voilà, donc maintenant qu'on est là. Le jeu a freeze. Oh non. Non, non, non. Par pitié, non. Putain. Ouais, non, t'as raison. Putain, c'est chiant, c'est la deuxième fois. Juste avant de lancer le stream, ça me l'a fait. Oh putain, c'est relou. Merci de l'avoir dit, sinon j'aurais pas vu. Bah, bienvenue sur ce nouveau streaming. J'espère que ça va marcher. Bah, écoute, je vais lancer mon Rec Central normal en espérant que ça marche. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que ça. Alors, pourquoi on voit encore la capture du jeu? Normalement, on ne devrait plus la voir. Vu que j'ai fermé le. Je vais fin tâche tout ce que je vois qui a un rapport. Mais la dernière fois, ça a fait blue screen mon PC. J'ai pas envie que ça arrive de nouveau. Tout a l'air d'être fermé. Je vais essayer d'ouvrir Rec Central. Je vais faire avec Rec Central, hein, du coup, hein. Mais j'aime pas trop utiliser Rec Central. Mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Alors du coup, ouais, faut que je coupe ça. Ah et du coup, le son du jeu, il y a des chances que je doive le retoucher. Oh, quoique. Oh, ça a l'air d'être bon. Peut-être un petit peu plus bas que d'habitude, mais bon. Ah putain, c'est vrai. Je sais pas s'il y a un Korogu avec ça. Parce que j'ai jamais fait ça, s'il y a un Korogu ici. Ouais. Du coup, j'ai vraiment joué la full économie de pour le paravoile. En espérant atteindre la terre ferme. Alors du coup, je vais jeter des coups d'œil un petit peu plus souvent. Pour voir si oui ou non. C'est bon. Ok, j'aimerais bien avoir un petit sanctuaire là pour... Ouais, là-bas il y en a un. Pour avoir un TP. Bon après, je dis ça, mais il y a la tour. Hein. En vrai, autant aller à la tour. Hein. Ok, let's go. Alors c'est quoi là-bas? Ah c'est des humains, putain. Enfin des humains, des Eliens. Je vais à la traître en paix. Ah, quelqu'un avec qui parler. Mais tu as vu ce temps, laisse-moi d'abord trouver un endroit pour m'abriter de la pluie. D'accord. Bon allez, on va aller vers la tour. Après, je pense qu'on va aller faire le sanctuaire. Mais d'abord la tour. Putain, avec les anciennes tours dans Breath of the Wild. Avec le pouvoir là que j'ai là, ce pouvoir de merde. C'est un bon pouvoir, hein, mais vraiment je le trouve tellement. Tellement moins ouf que les autres. Mais attends, mais comment ça se fait qu'il pleut là où je vais? Là, je suis pas en train. Mais c'est où les gorons? C'est ici ou c'est ici? Il y a un labyrinthe ici? Ah, il y a d'autres labyrinthes? Je crois qu'il n'y en avait qu'un.
Oh, pas rassurant ça. Oula. On est d'accord que ça, c'est un volcan. Ah mais je suis dans un camp de gens peut-être. Je suis en train de me dire. Franchement, moi si j'ai rien à faire ici, ça me... Ah mais c'est un camp. Oh non, ça veut dire qu'il y aura une quête. Oh non. Oh non, pas toi. Non, pas encore toi. Mais non, il y a une tour que je peux pas activer, je sais pas pourquoi. Bonjour, sale temps, hein. Tu ne peux pas te servir de la tour de reconnaissance pour le moment, je m'excuse pour le désagrément. En plus, je vois pas trop comment la réparer. Quel est le problème? Eh bien, pour une raison qui m'échappe, le terminal qui contrôle la tour de reconnaissance ne s'active pas. J'ai minutieusement inspecté chacune de ses pièces sans rien trouver de défectueux. Je me demande si la panne ne viendrait pas de la tour de reconnaissance elle-même. Quoi? Ah ok, non, il y a des trucs. Ah oui, parce que j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ce pouvoir, il sert à rien! Oh. C'est quoi mon arme? Putain, elle fait mal. Ah, attends, en vrai je vais le mettre là comme ça au moins ça sera... Je serai sûr que ça sera équilibré. Vers l'infini et l'au-delà! Ah, bah au moins ça répond à ma question. Alors, est-ce qu'on est bon? Ça va... Ouais, bon, allez. Wouhou! Putain, ça m'a emmené... Vraiment... Mais attends, je continue de monter, là? En vrai, j'y vais bien. Parce que là, si j'ai envie, j'ai accès très rapidement à ce sanctuaire. Bon, en vrai, on va déjà regarder qu'est-ce qui se passe ici. Je pense qu'il faut juste buter les mobs, non? Ah, non, c'est ça qui bloque. Est-ce que... Ouais. Mais la vraie question, c'est est-ce que là ça bloque encore? Bon, en vrai, on va pas le faire. Le terminal est réparé alors que j'ai même pas levé une aile. Bla 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 bla. Avant, il y avait un obstacle au sommet de la tour de reconnaissance. Ce terminal fonctionne de pair avec le couvercle au sommet de la tour. Donc j'imagine que comme le couvercle était bloqué, le terminal ne pouvait pas se mettre en marche. Enfin bref, maintenant que le problème est réglé, je n'ai aucune raison de m'éterniser ici. Je te remercie d'avoir réparé la tour de reconnaissance. Allez, je vais, j'ai encore du pain sur la planche, moi. Bah du coup, pas de quête cette fois-ci. Enfin, c'était juste ça. Donc moi, ça me met bien. Moi, je suis content que ce soit rapide. Bah du coup on va aller faire le petit sanctuaire et bah on va continuer de se diriger vers la droite. Allons à l'extrême droite de la map. Ah, alors la soundboard. Ah, je me suis trompé. Voilà, je préfère.
Bah oui, c'est parce que, en fait, le truc, c'est que j'ai mon écouteur comme d'habitude quand je joue à la Switch. Ah oui, d'ailleurs, il y a un moment, il faudra que je la retire de son socle, parce que là, avec cette méthode de recording, il y a du lag qui va monter de plus en plus. Enfin, il y aura de plus en plus de lag. Oh, la grande forêt d'Hyrule! Putain, je serais archi chaud d'aller là-bas, en vrai. Oh, j'ai trop envie d'aller là-bas. Donc là, faut que j'aille vers le bas de la map. Oh putain. Attends, moi c'est où? Ouais, faut que j'aille là. Ah oui, c'est ici. Y'a pas des trucs à récolter, si. Mais attends. Non, je suis jamais venu ici. Ouais, c'est encore un sanctuaire comme la dernière fois. Donc ça veut dire qu'il y aura... Mais attends. Oui, je suis... Mais y'a un truc, c'est littéralement la même chose. C'était où que j'étais? C'était là. Je crois que c'était là. Ouais, c'était ça. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des îles célestes où c'est littéralement, ils se sont dit « Putain, venez, on fait ça !»« D'accord, faisons-le plusieurs fois !» Donc c'est intéressant. Bah, chaud de faire ça, mais faut vraiment pas que j'oublie le sanctuaire qui est rapide. On connaît, hein. J'allais dire, on va skip le dialogue, mais je ne peux même pas. Excuse-moi. Putain, j'étais bien parti, là. Alors. Ah non. Tiens. Tiens, mais c'est moi où on voit la tour, là. Là-bas, la prochaine tour. Est-ce que je peux me TP là? Oui. Ok. On n'oublie pas. Je vais là. Après, on se TP là. Et on va faire la tour. Ouf. Le reniflement. Par contre, c'est mort, hein, le boss, je le fais pas. Hein. Non, les boss, on est trop faible pour l'instant. Alors c'est bien beau de faire ça, mais je ne sais pas où est le sanctuaire par contre. C'est récolo, ça fait une épée là-bas. Le sanctuaire, il était plus dans cette direction, je crois. Hein. Bon, j'imagine on peut pas entrer dans la forêt comme ça. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre le château d'Hyrule, en vrai, je suis en train de me dire. Alors, il est où le sanctuaire? Ah, putain. Ça se trouve, je suis censé le voir d'ici. Ah, si, putain. Putain, mais ça me frustre. J'ai envie de tester plusieurs trucs, là. Bon, on va déjà éviter de tomber dedans. Oh, ça c'est du Korogu, je reconnais. Oh, quoique. Ah non, pas sûr. Bon, déjà... Déjà, je fais ce sanctuaire. Oh non, attends, c'est un big bleu ou c'est un... Ok, ouais, non, on va les... Oh, est-ce que... Vas-y, attends, ça fait longtemps que j'ai fait une save. Vas-y, on va un peu les affronter, on va faire un peu de fight.
Putain, ça a encore bugué. Je vais péter un câble. Ouais, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir jouer à ma Switch. En plus, ils ont dit un petit message. Ah. Ah, c'est pour ça que j'adore. C'est pour ça que j'aime pas. Bon. Eh, il y a des chances que je perde pas la VOD, hein. Parce que là, sur Twitch, c'est toujours le même stream, hein. Sur Twitch, c'est toujours considéré comme le même stream. Donc, j'ai perdu mon rec. Ça, c'est quasi sûr. Et re. Mais ça va le refaire. Bon, j'ai perdu le record, donc tant pis. Il faudra que je télécharge la VOD sur Twitch. Bah c'est très relou. Il y a d'énormes chances que ça le refasse, hein. Parce que là, du coup, là, je recorde avec l'autre façon. Hop. Donc là, actuellement, ouais, je suis en train de recorder avec le son qui ne sort pas de mon ordi, mais qui va directement sur moi. Donc ça, c'est la façon de recorder qui n'a pas de décalage. Qui a freeze tout à l'heure. Donc ouais. On va continuer et si ça le refait encore, bah tant pis. Putain, c'est vrai qu'il tire lui, j'avais oublié. Tu peux tirer le bois? Alors sans rater, ça serait cool. Son arme. Bon. C'est quoi ça? D'accord. Bah, moi j'aimerais dire tant que je peux jouer, c'est bon. Mais le problème c'est que bah ma Switch. J'ai déjà dit que la Switch m'énervait comme console. Genre, c'est une console qui a tellement de défauts. Elle appartient à Nintendo, premier défaut. Elle a un cruel manque de puissance. Un record, c'est horrible. Parce qu'il te faut un boîtier de capture. Et si tu prends le moins cher du marché, eh ben, il bug beaucoup. T'as pas une bonne qualité, il bug, t'as un décalage. C'est pas ouf. C'est pas génial, génial tout ça. C'est très relou. Mais encore une fois, est-ce que c'est à cause de mon boîtier ou pas? Oh non. Attends, ça veut dire que je... Oh mais attends, mais c'est trop craqué ça. Est-ce que... Ah non, c'est de la merde. Ah du coup, ils m'en ont redonné un. Waouh, putain, ça fait un plus 11. Ah mais le problème, c'est... Mais attends, je me demande en vrai. Si j'utilise ma lance dans le vide, en vrai, ça la consomme pas, non? En principe. Parce qu'un bouclier, d'accord, tu vois. Mais là, c'est une arme pour l'utiliser. Donc il faut une clé. Ah. Ça se trouve, la clé, c'est la lumière.
La lance torche. Non mais c'est bien. Bon par contre ce donjon il va... Disons que j'ai déjà fait un labyrinthe la dernière fois. Bon ça va pas être super super ce donjon. Waouh, un opale prut. Bon en vrai j'imagine que ça sera pas un donjon de malade. Je sais pas, on va passer par là. Je crois que c'est la première fois qu'on a un sanctuaire qui a plus qu'une qu'un coffre. Alors la vraie question c'est je venais d'où? Je venais de là je crois. Ouais, je pouvais aller par là. Ah. Ça fait de la lumière, ça, on est d'accord. Ok, ouais, non, c'est juste un coffre. Bah, trois coffres, hein, du coup. Ah bah voilà. Bah, en vrai, on prend, hein. Genre la gemme Nox d'avant et l'autre objet que j'ai eu là. Parce qu'en vrai les minerais, je sais pas si les minerais sont importants dans les Breath of the Wild et Tears of Kingdom du coup. Je sais pas si c'est important. L'ambre brute par exemple, je sais pas si ça l'est. Je peux pas amalgamer ça et ça parce que franchement je trouve ça... Ouais, pour faire de la lumière je trouve ça plus cool ça. Je trouve on profite mieux de la lumière de cette façon. Ah, bah si ça se trouve je viens de finir le sanctuaire. Mais j'ai comme l'impression que c'était que ça. Bah tant mieux hein. Tant mieux que ce soit si court. Parce que c'est un peu cancer les labyrinthes. Surtout que il y en a un. Et on en a fait un la dernière fois quoi. Eh plus que deux sanctuaires et je peux me refaire deux, je peux me faire deux cœurs. Il m'en faudrait que j'en fasse au moins deux aujourd'hui. Bon, c'est sûr, on en fera. Mais ouais, ça serait cool. Comme ça, je chope deux cœurs et bah, pour le prochain temple, ça me mettrait très très bien. Donc, j'avais dit... Ah bah, il y en a un là-bas. Donc, on va là. Et je veux tester deux trucs. Un, aller par le haut dans la forêt des Korogu. Enfin, dans la forêt qui est en dessous, là. Et je veux aussi tester d'aller au château d'Hyrule. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, faut littéralement faire un... suicide, guys. Ah, mais il y a un autre donjon ici. Eh ben, on le fera après. Bah, même là-bas, il y en a un autre. Bah, on le fera après. Bah, même là-bas. Il y en a partout. Hein. Et là-bas, il y a la tour aussi. 100% on n'y a pas accès. Il y a une espèce d'aura noire là. Je sais pas si c'est plus rapide de faire ça ou ça. Ah, ah si je peux y rentrer comme ça?
Est-ce que ça va me ramener au début du... Non, ça me ramène en haut. Ok, bon, au moins on est fixé pour ça. Le château d'Irul, il est où? Il est loin quand même. Ah mais attends. Ça déjà, ça me fera faire une bonne distance. Alors faut... Ce serait bien de viser le château déjà. Ouais, le château il est plus par là. Bon, ce boss, j'ai un peu la flemme de le faire. Hein. Je sais pas comment le combattre de toute façon. Ça peut être intéressant d'aller là-bas en vrai. Hein. On peut le faire en plus, ça. Alors en distance, je sais pas si ça passera. Hein. On peut tenter d'atteindre au moins le bas. Je vais peut-être acheter de l'endurance. Hein. Parce que là, ça commence à être vraiment... Vraiment gênant. Hein. De ne pas avoir d'endurance. Ouais, bon, on peut pas y aller. Hein. C'est giga loin. Je vais faire les sanctuaires qu'on a vus. Juste en dessous de ce TP. Il y en avait 3, je crois. Ah, il y a une lune de sang qui arrive. Alors. C'est toujours pas ce que c'est, hein, ces espèces de d'épées là. Enfin, c'est des espèces de souvenirs de ce qu'on m'avait dit, mais. Bah non, mais... Mais non, on a même vu un PNJ quand on avait parlé. Bon, bref. Ça n'empêche qu'on ne sait pas ce que c'est réellement. La sanctuaire Sikkuti. Putain, j'ai pas dit c'était quoi le nom des sanctuaires de tout à l'heure. Oh non. Oula, pourquoi ils me disent temps restant 2h37 là, alors qu'avant ils me disaient 4h. Attends, je viens de perdre la mémoire sur mon ordi. Uf, comment ça, espèce type 14 gigas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon... Putain, mais attends, mais mes disques n'ont presque plus de mémoire. Mon disque de 1 Tera là, il a plus que 140 gigas. Et mon SSD, il est à 14 restants. Trop bizarre. Hein. Bon, j'ai pas vu le nom du truc. Bah, j'aimerais te dire, là, faut juste le récupérer en l'air. Ah, quoique. Ah bah non, faut juste le faire tourner dans l'autre sens. Bah, le. Attends, je... Oh putain, j'ai cru que je pouvais bouger ça. Pé
Bon, où est le coffre par contre? Je vois pas à quel moment il y a un coffre par contre. Peut-être derrière ici? Non. Alors là. Peut-être faut monter en haut de ça. J'ai pas vu, bon, vu à quel point c'est rapide en vrai, je vais regarder. Ouais, c'était long, hein. Ah, attends, j'ai pas vu le coffre, si ça se trouve, il est collé à ça. Ou ici, peut-être, non, il est pas au-dessus. Derrière ça. Putain, j'ai aucune idée où il pourrait être, ce coffre. En plus, la boule, elle est trop petite pour qu'on en fasse un truc. Ouais. Aucune idée où est-ce qu'elle est, le coffre de ce donjon. Bon, tant pis. Hein. Ah non, je peux pas le bouger. À chaque fois j'appuie sur X. Bon, ah, tant pis. Un donjon de plus. Faut que j'évite de me battre avec cette lance. Hein. Cette lance, j'en ai vraiment besoin pour quand j'irai dans les profondeurs. Hein. Faut vraiment que je la switch. Je vois Vicky, le copain des Aino sur Super Mario Maker 2. J'ai tellement pas envie d'y jouer. J'ai déjà dit que je n'aimais pas ce jeu. Putain, il y a ce katana, il me donne trop envie, mais ah, il est précieux. Je pense que c'est mieux que je le garde vraiment si je suis dans la merde et que j'ai besoin de taper très fort. Eh bah... D'ailleurs, est-ce... Oh ? C'est qui tire ? C'est de là-bas ? C'est... Ah non, mais c'est le machin à côté de moi. Où sont les autres sanctuaires que j'avais vus ? Ah mais non, mais là-bas, il y a un truc, vraiment. Attends, on va y aller. J'ai envie de voir, moi. Alors par contre... Alors j'ai fait de la merde en vrai parce que j'aurais dû prendre l'envoyeur. Parce que sinon c'est compliqué. Mais de toute façon je la fais pas à la distance. Par contre là ça devrait être comme dans Genshin. Je suis juste à côté du truc. Pourquoi j'ai une attente aussi longue? Le katana. Ouais ça y est encore. Hein. Mais ouais, non, c'est trop loin. Ce que je peux faire et que j'ai pas fait avant, c'est d'aller sur l'île du boss. L'île du boss, là, je peux aller dessus, je pense déjà ça m'aidera. Déjà, ça me permettra d'aller là-bas. Moi qui voulais y aller. Donc en plus, on va pouvoir regarder ce qu'on a ici. On va pouvoir aller récupérer le truc qui est tombé du ciel. Et on va pouvoir aller au château d'Hyrule. Mais dans un premier temps, je pense que je vais déjà aller au château d'Hyrule.
Ça se trouve, le boss final est vraiment là-bas. Hein. Parce que c'était le cas dans le premier, tu vois, mais est-ce que c'est le cas dans le deuxième aussi? Voilà, maintenant qu'on est là, hop. Je peux y aller, là? Voilà. C'est une blague. Mais attends, mais si on peut pas le faire, on peut le faire, oui. Mais vraiment, ce pouvoir, il m'énerve. Il ne sert à rien. En plus, là, je tourne pour rien. Ah, il y a un truc en dessous. Alors, il est où le château d'Hyrule? Non, j'ai clairement pas la distance. Hein. Où est-ce qu'il est le machin tombé du ciel là? Je le vois plus. Ah non, le château d'Hyrule il est trop loin. Hein. J'ai pas du tout l'énergie. Hein. Que toutes les îles célestes en plus elles sont loin pour t'empêcher d'y aller. Ah bah non, il y a un sanctuaire. Ah donc non, ça veut dire que je... Mais attends, ça veut dire qu'en principe là je peux y aller si j'ai envie. Enfin, qu'est-ce qui m'en empêche? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le machin là qui m'empêche de glisser. Ah mais là il y a peut-être un délire de miasme qui va me... qui va m'embêter. Même pas. Il y aura peut-être le mob avec les mains par contre qui va m'embêter. Ça c'est possible. Je sais pas, enfin ouais, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller au château d'Hyrule maintenant? Je me suis pas posé la question. Pourquoi j'aurais pas le droit d'y aller? Enfin dans le 1 tu peux y aller quand tu veux du coup, tu vois. En espérant que mon pouvoir je puisse l'utiliser, hein. N'est-ce pas Nintendo? C'est mis à pleuvoir quand j'y arrivais. Hein. Oh ouais, la blague. Mais il n'y a pas d'autres accès, genre on peut qu'aucun grimper ici. Et pourquoi il pleut quand je suis en train de monter? C'est une dinguerie. En plus, moi j'ai pas le truc anti-pluie. Ah, ouais, j'aurais pu grimper à côté, tiens. Un truc lourd là. Une arme à deux mains. C'est une arme à deux mains. Ah, le mauvais timing de fou là. Bah, comment on casse ça? Y'a pas une fleur bombe là? On est plus. Bon, il y a un corbeau ici, hein, mais bon. Quasi sûr.
Putain, j'aurais... J'aurais pu grimper genre là. Putain, mais même là, il y a un truc. Pas en soi. Oh, des flèches. C'est une échelle, ça, je reconnais. Bah, en vrai, j'ai bien fait de tomber parce que... Là, il y a forcément un Korogu déjà. Mais en plus, j'ai des flèches. J'aime bien les flèches. Où est le Korogu? C'est impossible qu'il n'y ait pas de Korogu, c'est une blague. Alors la vraie question c'est comment on peut faire. Je pense pas que je puisse monter comme ça. C'est sûr qu'il y a une technique qui te permet de monter direct. Eh putain, il y a cette merde, mais c'est... Putain, c'est juste ça! Oh, c'est juste ça! Eh oui, parce qu'il y a un Korogu comme ça. C'est en haut du dédale. Il y a un Korogu comme ça. J'étais en mode, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire. Putain, fallait... il y a juste une cible, faut sauter dessus. Bon, bah, on saura. Hein. On pourrait même le faire maintenant, à la limite. Mais si ça se trouve, là, on y accède par le bas. Ça se trouve, là, faut juste que je saute dans le trou. Oh là là. Je ne suis pas sûr qu'il faut que je sois là. Par contre, c'est bien, on voit. D'habitude, on voit pas dans les abîmes. C'est quoi ça? Bonjour? Esprit. On trouve cet esprit usant un peu partout dans un profondeur, froid au toucher, il vacille sans rythme particulier. Si vous en collectez, la fortune pourrait vous sourire. Je sens venir le truc où on en prend, plus on en prend et plus on rendra fou les mobs. Ou peut-être que ça fait de plus en plus de lumière. Non. Ah ouais non, dans les objets spéciaux. Pff. Racine Itam Obalt. Ça se trouve on peut échanger des esprits pour ça. Une fine idée. Je suis contente de viser dans le trou. Ça fait quoi ça? C'est quoi, c'est une tour des profondeurs? C'est une tour des profondeurs, ça? Est-ce que ça m'éclaire les profondeurs? Oh, mais c'est trop bien si c'est ça! Oh, par pitié, c'est ça! Mais genre, j'ai trouvé ça à la potentielle fin du jeu. Ça illumine les alentours. Putain, j'ai cru que ça allait me donner un cœur. Ouais, ça illumine, hein. Putain, ça veut dire que... Ok. Ça. Ça, il faut les chercher. Faudra en trouver. Ah, et là, à chaque trou, il y a potentiellement un truc. Oh non, mais j'ai peur, hein, quand je vois ça. Ah mais le 100% exploration, ça sera un vrai calvaire. Ça va être horrible. Hein. Dis-je vois juste une zone comme ça, t'en as pour des heures sur Genshin alors là. Sachant que t'en as plein.
Ce sera J. Mais c'est trop profond là. Non mais t'imagines, ils ont foutu des Korogu ici, mais comment tu fais? Merde. Bah oui, bah là, bien sûr qu'il va se péter. J'ai jamais utilisé le machin. Hein. Y'a quoi en bas? Sors. Mais attends, mais t'as des profondeurs dans les profondeurs? Est-ce qu'il fait un truc particulier lui? Ah. Bon, on va sauter. Hein. Bon, on va courir. Hein. Eh ben, on va partir. Je pense que là, ça ne sert à rien de forcer. Mais attends. Ah ouais, non. Je voulais regarder ça, c'était où par rapport à ici, mais c'est loin. Ouais, je pense que j'ai clairement pas assez d'énergie hein, pour l'instant. Bon, on va se re-TP ici. Bon, les profondeurs, c'est rigolo. Bah maintenant, on est au courant que ça existe. Mais après, c'est logique qu'il y ait l'équivalent des tours pour les profondeurs. Mais maintenant, on sait qu'il y en a. Enfin, on sait à quoi ça ressemble, surtout. Mais les esprits... aucune idée, hein. Je sais pas du tout. Ça doit être une espèce de monnaie de... J'en sais rien. Ah non mais les Korogu des pro... Les Korogu, ça je le ferai avec un wiki. Genre tout le reste, je veux bien essayer de le faire legit, les Korogu non. S'il y a bien un truc que je ne ferai jamais legit dans un... Dans les Zelda... Dans ces Zelda, c'est clairement les Korogu. Genre les Korogu, c'est un calvaire. Ça ne sert à rien d'autre que t'embêter. Ah mais il est là le dragon. Attends, je dois aller dessus. Mais je l'entends tout le temps, mais il est là. Par contre, il a l'air d'être giga loin. Ouais, en plus j'ai pas sauté du bon côté. Je suis pas sûr de... Attends, il va dans le trou. Il va dans le trou. Il va dans le trou. Mais attends, mais je vais le suivre. Ah mais non, mais c'est le dragon du feu. Est-ce que je peux le toucher? Il va me brûler. L'air s'embrase. Je vais mourir. Oh, prendre. Où ça, prendre? Je veux prendre. On m'a dit prendre. Non, je glisse. J'ai mal. Pourquoi j'ai fait ça? Ça sert à quoi? Oh. C'est le truc que je voulais avant. Mon arc s'est brisé. Une blague. Oh! Ah! Mais les trucs qui tombent du ciel, c'est ça! Mais attends, ça veut dire que... Oh, mon arc! Ah mais attends, mais je brûle! Je brûle! Ah non, je pense que c'est trop tard. On peut drop qu'une... Je pense qu'on peut drop qu'une écaille. Par contre, j'ai bobo. Papa, j'ai bobo. Bah, écoute, on va revenir en haut. Hein. Mais par contre, ils sont où les sanctuaires? Il y en avait trois avant. Ils sont passés où? Enfin, surtout que là, j'aimerais bien faire un sanctuaire pour me heal, quoi. Eh, n'empêche, on peut noter pour l'instant. Pas de crash de ma Switch, pas de blue screen pour l'instant. Où sont les putains de sanctuaires? Je les voyais tous d'en haut avant.
En vrai, je me dis, je peux peut-être tenter le boss. Hein. Enfin, alors, peut-être pas maintenant. Mais après, oui. Parce qu'il y en avait un côté de l'épée. Ils sont où les autres? J'en sais rien. Ah, quoique là-bas j'ai l'impression. Ouais, c'en est un là-bas. Ah ouais, mais là on est dans la zone chaude. Bon, de toute façon j'aurais pas le choix. Peut-être dû d'abord aller vers la tour. Je sais même pas où aller. Bon, je crois qu'on va aller par là-bas. Pam 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 pam. Bon, il a peur de faire si chaud ici. Après, la zone des Gorons, c'est pas la plus rigolote hein, dans Breath of the Wild. On verra si c'est le cas ici. Bon, là, il y a un papillon qui permet de ne pas avoir froid, mais bon. Je pense que ça sert à rien. Hein. J'ai déjà les vêtements des piafs. Maintenant, ouais, il me manque plus que les vêtements des Gorons. Servirait quelque chose, lui. Non, mais me dis pas que le sanctuaire vers lequel je me dirigeais, c'était celui-ci. Non, il y en avait un autre. Là-bas, c'est vers les entrailles de la taille. Oh non, mais si j'allais vers celui-ci, c'est n'importe quoi. Elle est où la tour? Ouais, on va aller vers la tour, hein. Éviter d'affronter des mobs. Hein. Ouais, mon perso il n'a pas chaud. Hein. Non. D'ici? Oh, ouais, ça va, je suis pas giga loin non plus. Bon, vas-y, on va couper par ici. Après, ça se trouve, maintenant dans la zone des Gorons, il fait moins chaud qu'avant. Hein. Alors est-ce que ça c'est des camps de mobs ou des camps de nous? Ah non, c'est bien des Gorons. Moitié prix. Ouais, c'est cher. Oh, ça m'arrange ça. Ça m'arrange totalement. Elle est tellement... Ah non, elle est là, ok. Attends, il y a une île céleste là-dessus ou... Ah oui. Bonsoir. Oh, il y a même une fusée. Mais il y a plein de trucs ici. Merde. Attends, moi j'ai un bouclier qui est cassé là. Je vais le remplacer. Il sert à rien lui. C'est quoi ça? Une bouche incendie. Faire de l'eau avec.
Ah bah, il y a un sanctuaire là-bas. Est-ce que c'est celui que je regardais? Non, celui que je regardais, il était là-bas. Ah mais il y en a même deux. Et elle est où la tour? Allez là. Ce que je peux faire. Ouais, bah en vrai, je vais aller faire ce sanctuaire. Hein. Ouais. Au revoir! Ah là, le problème c'est que j'ai rien. Ah si, putain, mais la lune de sang, elle tient à apparaître, hein, vraiment, c'est un truc de fou. Ah oui, par contre, en vrai, je vais attendre parce que j'ai pas envie que la lune de sang, elle arrive quand je suis dans les airs, moi. Donc on va attendre. Et ça marche comment? Ça fait de l'eau? Ça doit servir à quelque chose, j'imagine. Ouh, la lune de sang, ça sert un peu à rien. De loin en plus, faut attendre. Attendre qu'elle monte dans le ciel. J'en ai profité pour regarder sur mon disque comment ça se fait que j'ai perdu autant de mémoire. Qu'est-ce qui m'en prend autant? J'imagine faut que je regarde dans les users et les programmes. Et ouais, le problème, c'est comment savoir ce qui m'en prend beaucoup. Oh, lune, couleur du sang. Lorsque de ta lumière, tu éclaires la terre. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Pour repartir à la conquête de cette terre. D'accord, Zelda. Bon, moi là-bas. Le donjon. C'est pas un boss, ça? Là-bas, ça. Ah non, c'est juste des trucs de même. Non, parce qu'il y avait le boss caillou, là. Il me faisait un petit peu peur. Ouais, bon. Ah, si, le sanctuaire est là. Après, bah, ça pourrait être cool d'aller à l'autre. Le sanctuaire Timawaka. Waka waka Samenamena Sagonanewa This is for Africa. Astuce de combat. Un contre courant de la lave. On peut attirer ça. Et du coup, quelle est la difficulté du truc? Ah, ça crée de l'obsidienne. Et je vois pas trop. Ah et par contre, j'ai pas beaucoup de vie, moi. Ça va être un peu chiant, ça. Putain, il a l'air de bien tanker, lui, en plus. Ok, ça va.
que moi j'ai quoi comme arc? Ouais non j'ai que ça. Et faut une boule. Ah c'est là où faut du contre-courant. Il y a même un coffre. Bah voilà, il suffit juste de... Oh! Putain, je me suis fait baiser. J'avais pas prévu ça. Allô? Ah si. Bah, en vrai... Putain mais... Bah ouais, en vrai c'est ça qu'il faut que je fasse hein. J'ai vraiment fait de la merde. Hein. Pam 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 pam. Allez hop. Et après on prend la boule. Oh 26. Putain j'avais oublié que j'avais ce truc. Bah le truc c'est que c'est un truc en bois. J'aime bien le bois. Bah on va retirer lui hein. Et toi du coup on te prend. Alors, monsieur le haut, s'il vous plaît. Un link grillé. Allez, là, je me suis fait avoir... Ah, mais d'accord, mais paravoile ne s'utilise même pas. Incroyable. Bonsoir, je suis pas Blenheim. Alors. Alors la vraie question c'est est-ce que ça rentre? Alors je sais pas si on est censé faire comme ça. Mais je serais pas étonné que oui en vrai. Si ça rentre tout pile c'est que c'est ça la solution. C'est que c'est comme ça qu'on est censé faire. Bah là comme ça, deux trucs me viennent en tête. C'est soit bah on utilise ça pour avancer tout con. Bah pour. Bah ouais mais pourquoi. Pourquoi ce serait pas juste ça la solution? En mode on fout ça à l'eau et on avance avec ça. Pourquoi ça marcherait pas? Peut-être parce que ça brûle dans l'eau. Dans le. Dans la lave. Mais si ça marche, pourquoi? Bah ouais mais pourquoi je pourrais pas faire ça? Bah ouais. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Peut-être parce que ça va brûler. Alors là je comprends pas ce qu'on était censé faire. Quelle était la vraie solution de cette énigme? Parce que déjà,
Déjà, les trucs à eau, comment on les atteint si on n'utilise pas un truc comme ça? Parce que là, en fait, la solution, bah, c'était de faire son propre pont, tu vois. Mais là, le truc que je voulais faire, en fait, c'était créer un big pont en utilisant l'eau. Avec ça, mais j'étais en mode... Mais... Enfin, en faisant ça avancer, en mettant les trucs sur les côtés pour faire un big pont, je me disais, mais quel est l'intérêt de faire ça? Si je peux juste prendre le ventilo et puis basta. Non, je sais pas. Comme d'habitude, il y a plusieurs solutions, mais je sais... Là, celle que j'ai faite, c'était pas la solution... C'était pas THE solution, normalement. Et ben voilà, bah je peux avoir 2 cœurs si je veux en plus. Mais ouais, encore une fois, est-ce que je focus tes cœurs ou est-ce que je prends un petit peu d'endurance quand même? Je pense que c'est bien d'avoir genre 10 cœurs et après tu prends de l'endurance. Alors, est-ce que la tour c'est celle-ci? Je sais pas si c'est cette tour-là la plus proche. Ouais, non mais tant que ça marche, tout va bien, y a pas de souci. Le Stalin des pibiches. Ah, c'est un truc à cheval? Bon. Oh le goron. C'est chaud ça. Ouh, chaleur insupportable. Oula. Petit problème, monsieur. Hein? Ah, oh, ouais, oh, d'accord. Bon, là-bas. Un truc, ça? Ah, je pensais qu'on pouvait en faire un truc. Bah, on va juste aller vers là-bas. Hein. Des cibles, ça, je reconnais. Il doit y avoir un truc à faire avec ça. Ah non, on peut interagir avec. Ouais, je sais pas. Là, je me dis si ça se trouve... ça, là, ça aura un rapport avec le pouvoir du Goron. Putain, ah non, 100% le pouvoir du Goron, c'est juste, on va dire... Ça va nous faire... c'est comme lui, ça va nous faire foncer vers une direction. Ah putain, si c'est ça. Quel pouvoir de merde. Attends, c'est un caméléon rouge. Je crois que les rouges, genre, ils sont giga chauds. Oh. La tour du ravin d'Ardin. Alors est-ce que je dis... Oh, mais c'est pas possible. Hein? T'es venu voir la tour de reconnaissance? Pardon, la situation est un peu compliquée en ce moment. Que se passe-t-il? Une ruine énorme est tombée du ciel, évidemment, il fallait qu'elle tombe pile sur la tour de reconnaissance. Du coup, ça a fait sauter le couvert qui bouche la tour. Maintenant, elle se termine juste par un trou béant. Ah, et puis... Comme si ça suffisait pas, la porte s'ouvre plus. À mon avis, il suffirait d'utiliser directement un terminal à l'intérieur pour l'ouvrir. On peut justement pas y aller à l'intérieur, c'est ballot, hein. C'est ballot. Je sais pas si on peut grimper les tours. Parce que soit je la... J'allais dire soit je la grimpe, soit bah voilà, il y a un accès. Mais je comprends pas, pourquoi la tour que j'arrivais pas à ouvrir, elle est chiante à... Enfin, pourquoi il n'y a pas un truc tout con comme ça, tu vois? Que là au moins c'est tout con la solution quoi. Ah et en plus elle ouvre. Ah je vois. C'est bien ce que je croyais, il suffisait d'activer le terminal pour ouvrir la porte. Tu me tires un sac d'un sacré pétrin quand même, merci. Bon je vais me reposer un peu avant de filer à la prochaine tour. Ouais donc s'il dit ça c'est comme le piaf. Hein. Genre on le reverra. Bon bah on est parti pour une nouvelle tour. En vrai, chaud d'aller faire l'autre.
Ouais, elle est pas loin. Hein. Ah, elle est là d'ailleurs devant moi, on avait vu, il y avait le... Il y avait l'autre labyrinthe. La montagne de la mort. Ok. Alors à la map du ciel, il y a vraiment pas grand chose. Ah, c'est au-dessus de moi, le truc des Gorons. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas les mêmes problèmes de température que la dernière fois. Bon, attends. Attends, si ça, il nous le donne... Bon ouais, bon attends, autant le faire. Ah, sort. Ça nous rappelle des bons souvenirs en plus. Ah, il y en a un autre. Il est où? Oh! C'était trop marrant, ils se battaient dans le... Dans le minecart. Ah oui, ça c'est les espèces de batteries. Non. Ah oui, mais non, moi je vais en mettre deux. Voilà, moi le jeu, je vais en mettre deux. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon. C'est quoi ça? Effet de clarté. Vas-y, on va reprendre une batterie. Une batterie lithium, ça j'en connais. Ah, mais il y en a un autre ici, j'avais pas vu. Ok, let's go! Par contre, il n'y a pas genre d'énormes chances que j'aille trop vite. Ok, non, c'est collé. Il n'y a pas moyen de tomber dans le vide. Alors, j'aurais bien aimé récupérer les drops. La fruit des feux. La fruit du glagla. Ah non. Y a un truc là-bas. Mais je veux pas y aller. Sinon je perds ce que je viens de faire. Est-ce que, pour une fois, ce pouvoir ne serait pas utile? Évidemment. Pour changer. Ça change beaucoup pour vous. Je vais m'énerver. Je peux pas là. Ah si, putain. Ah. Attends, est-ce que je suis pas genre arrivé pile au bon endroit là? Ça brûle. Attends, on va tout ouvrir. Il y a quoi ici? Ah si, j'ai l'impression qu'on y a accès par là.
psychose. Ça permet de booster les pouvoirs des sages, j'imagine. Trop bien. Faudra voir. Ok, cool. Et j'imagine que ça, on les a que dans les... les îles célestes. Oh bah attends. Ah, c'est ridicule hein, quand t'affrontes ces ennemis là. Quand t'affrontes des ennemis avec ton truc à deux mains là. Et du coup à chaque fois que tu les tapes ça les repousse. Bah trop cool en vrai. Tant mieux que j'ai trouvé ça. Alors voilà le problème qui se pose. Ah non, ils nous ont redonné des minecarts, ok. Ça va, ils sont cool. Putain, je l'ai tellement mis sur le côté là. Voilà, là c'est symétrique. Ça t'y est bon. J'ai une autre batterie là. Au cas où. Très bien d'avoir des petites pommes dorées aussi. Les pommes dorées ça booste bien les bouffes. C'est bien, moi j'aime bien. Même tout simplement de récolter de la bouffe, les pommes c'est bien. J'aime bien les pommes, manger des pommes. Y'en a pas d'autres. Et bah tant pis, let's go. Ok, let's go. Ah mais y'a un sanctuaire là-bas. Mais j'ai bien fait de faire tout ça, ça m'a débloqué un sanctuaire. Oh non, c'est encore un truc qui tourne. Putain. Ah, il y avait des trucs là sur le chemin. Là, on a encore trouvé une plaque tournante, mais c'est un truc de fou. C'est pas rare en fait, il y en a plein. Le sanctuaire Gata Unale. J'avais même pas fait gaffe que ça nous menait à une croix comme ça. Donc j'ai combien de cœurs là? Je crois que j'en ai 8. Hein. J'arrive pas à compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai 8. Et le titre, c'est La Voix de l'eau. Alors là, comme ça, oui, il y a de l'eau, c'est vrai. Bah, j'aimerais te dire, je vais pas m'embêter, hein. Ah, on peut faire un pont. Ah, je peux même en faire un autre. Bon, ouais, il y en a déjà un de fer. Hein. Pourquoi s'embêter ? Tout va bien. It's fine. C'est bien, j'ai mon pont. Je peux déplacer mon pont. Ah super. Ouais bah à la limite je peux le remplacer.
Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comme ça. Une épée rouillée? Un espadon rouillé. Ah. Attends, quoi? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Papa. Peut-être éviter de l'envoyer. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire du coup? Bien prendre ça, mais. Bah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux faire passer ça par en dessous? Non. Parce que après, oui, je peux m'amuser à faire genre ça, mais pour faire quoi? Quel est l'intérêt de faire ça? Niveau mécanique, qu'est-ce qu'on a? On peut tirer des épées? Parce que j'ai pas de fleur bombe. Mais j'ai aucune putain d'idée de comment on fait ça. Ouais. Je sais rien moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui non putain, faut pas utiliser ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi genre le premier truc est si simple et le reste si incompréhensible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous donne un arc, c'est pas un hasard si on nous donne un arc. Moi j'étais en mode c'est rigolo, tu peux faire des gigapons comme ça, mais pourquoi? Quel est l'intérêt pour moi de faire ça? Regarde, on s'amuse, mais ça sert à quoi de faire ça? Je suis bloqué. Surtout que derrière il y a encore quelque chose à faire. Donc là ça veut dire qu'il y a une mécanique que je ne connais pas. Il y a un truc que je suis censé connaître et je ne le connais pas. Est-ce qu'il y a moyen genre d'éroser... de faire une sorte d'érosion avec... avec ça. Attends, elle sort par où là? Ah merde. Si je mouille ça... Qu'est-ce qui se passe? Ça ne change rien. Amalgame, une flèche, une plaque. Je peux pas. Je peux pas parce que tu peux que amalgamer avec ce que t'as dans les... sur toi. Et on a... J'ai tenté de faire du vent, mais... Enfin, je vais réessayer, mais... Vas-y, je vais amalgamer avec ce bâton. Et l'affaire du vent, ça change rien, quoi.
j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Là, il me manque un truc que je ne connais pas dans le jeu. Non mais il y a un autre truc, il n'y a rien dans la salle pourtant. Un truc sur le sol à activer ou... Pourquoi il nous donne un arc et une épée s'ils servent à rien? Enfin, j'essaie de réfléchir, mais... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux l'amalgamer avec ça, à la limite? Ça, je l'amalgame avec ça. Putain, c'est pour faire un marteau? C'est une putaigne de blague! Un marteau qui fait de l'eau? Ouais, faut y penser à ça. Bah, faut utiliser ce qui te donne, quoi. Ouah, non mais... Je suis pas fan de cette solution. Enfin, elle passe, hein, mais... C'est dommage parce que c'est la solution unique. Alors que regarde ma solution à moi. Elle est bien cette solution, non? Bon, qu'est-ce qu'on en fait, ça? Qu'est-ce qu'on fait du pont? Parce que là, il n'y a pas d'autre coffre ici, on est d'accord. Bah, utilisons le grand pont de cailloux. Oh. Oh non. Oh non, je vais perdre mon pont. Putain, je savais pas qu'on pouvait tomber dans le vide. Ah, mon pont, il est là. Je vais pouvoir utiliser mon grand pont. C'est mon pont à moi. Hop. C'est mon pont. Mais oui, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? En fait, faut juste deviner qu'il faut faire un marteau. Alors, un marteau, non. Mais on t'a donné une bouche d'incendie qui ne sert à rien. On t'a donné une épée qui ne sert à rien. Bah, en fait, c'est parce qu'il faut fusionner les deux. Et ensemble, elles servent à quelque chose. C'était ça, la solution. Fusionner les choses qui servent à rien. On saura pour d'autres donjons. Bon, toujours pas de freeze, hein, donc j'imagine que c'est bon. Je pourrais terminer le stream tranquillement, sans bug. Bah, let's go. Bah, ça répond pas à ma question, pourquoi il y a ça, hein. Ah, faut aller là-bas. Pff, on va y aller, hein. Je sais pas... Il y a peut-être des pommes dorées ici. Des pommes de notch. Non, même pas. J'en ai aucune idée. Quel est l'intérêt d'aller là, hein? J'ai l'impression qu'ils aiment bien faire des îles avec rien. Parce que... Ah, c'est le cas là. Oh. J'ai oublié de récupérer mon épée. J'ai oublié mon épée. Let's go, j'ai oublié mon épée. Bon, tant pis. Bah, on a fait un donjon, c'est bien, non?
Il y en avait un autre donjon d'ailleurs. Ah, là-bas j'en vois un. À côté de la tour. Ça se trouve, je l'ai fait. Hein. Non, je pense pas. Non, bah non, bah non. Les donjons faits, on les voit plus sur la map. Ouais, donc c'est ça. Donc non, je l'ai pas fait ce donjon. Vas-y, on va utiliser le lui là. Ok, let's go. Ah oui, ce serait bien d'avoir de l'endurance. Ok, let's go. Je sais même pas s'il y avait un truc ici. Bah, je crois que c'est de là où on est en vrai. Alors je voulais aller où moi? Ici. Et là-bas. Puis là-bas. Donc full gauche. Full gauche et on a plein de donjons. Ah, il est où le donjon que je visais? Ah il est là-bas. Je sais pas ce que c'est ça. Ah mais d'accord, s'il y a un donjon, c'est parce qu'il y a un truc à côté. Le sanctuaire est cochu. Ok, let's go. De base, c'est vers le prochain temple le titre du stream, non? Chute à Ascension. Ah. Mais attends, ça veut dire les escaliers ont des vrais hitbox d'escalier? A priori. Bah, j'aimerais dire, moi j'ai envie de faire quelque chose. C'est ça. Moi je ne suis pas un pigeon de la société. Parce que leur solution eux c'était d'appuyer sur le bouton, mais moi je suis au-dessus des lois. J'ai l'impression que j'aurais pas trop le choix. Ah. Bon, est-ce que le coffre est vraiment utile? Bon, en vrai, on va aller la récupérer. Je crois le saut. Je pense que le coffre sert à rien, mais bon. Quoique, ça permettrait de réparer mon bouclier actuel. En vrai, pourquoi pas. Non, tu reviens. Alors ça sert à quoi ça? J'en sais rien. Est-ce que ça l'enverra très très loin? Moi la théorie c'est juste... Ce bouton fait sauter haut ce bloc qui va ratterrir au même endroit et après nous on paravoile et puis voilà.
C'est littéralement ça la solution. C'est bien ce donjon hein. Bon après là, on est à un donjon qui est proche du début du jeu, donc je pense qu'ils sont faciles ceux-là. Après non, celui des gorons que j'ai fait avant, bah en vrai si, hein, le coup du marteau, tu peux pas deviner quoi. J'aurais dû le garder par contre. Parce que c'était à côté de du château d'Hyrule, il y avait des cailloux que je pouvais pas péter. Et je pense que j'aurais pu les péter avec. Aïe aïe aïe. C'est terrible. Bon du coup on continue full gauche de la map. Est-ce qu'on a un autre sanctuaire? C'est la gouille un peu ici. Ça se trouve il y a un boss à côté. Je suis pas étonné qu'il y ait un inox ou un truc. Ah ouais mais non bah non. Vu qu'il y a un truc de repos à côté. Alors ouais, on le voit là-bas le sanctuaire. Regarde un peu si on n'a pas d'autres par ici. L'ancien hameau de Laolu. Ah, de Raoul carrément. Bonsoir. Elle est morte de toutes les vies volées par le fléau, je dis cette stèle, Zaloda. Ah. Il y a des ennemis. Oh là. Oh ça savent. Ah ouais, non en fait. Bonsoir. On y voit vraiment rien. Donne-moi juste une minute, je vais trouver un moyen. T'es trop fort, frangin. Après ça, nous le mago. Attends un peu, Prisen. Et toi, ça te prend souvent d'espionner les conversations des gens? Oui. Qu'est-ce que tu fais là et depuis quand tu nous écoutes? Avoue que t'as profité de la pub pour t'approcher en douce, hein. Ok, avant de trouver ce coffre en premier, alors espère pas le faucher sous notre nez. De toute façon, il est entouré de marais sans fond où rien ne peut peser pied. Alors je vois pas comment tu y arriverais. Il faudrait qu'il y ait un trésor là-dedans. Ferme-la, Prisen. Pas la peine de tout déballer au premier venu. Pardon, franchin. Oh, gomene aniki. Non, gomene aniki, je sais pas. Ça m'a échappé. Bli blablo blablo blablo. Bon. Comme ça... Quelque chose me dit que juste... Alors... Si ma paravoile s'active, ça serait bien déjà. Alors. La vraie question que je me pose. Comment je me démerde maintenant ? Est-ce que tu flottes, toi? Ah, oui. Enfin, on le voit encore. Bah, attends, en vrai, là. Alors, soit je viens de me lock. Oh, putain. Mais lui, il reste là-bas. Ouais. Donc là, bah, faut juste que je réussisse mes petits sauts, quoi. Ah ouais, mais c'est impossible. Bah j'espère que le pouvoir de l'autre il peut s'activer à temps. Sinon là ouais je suis keblo quoi. Putain. Oh non mais je suis devant. Comment ça se fait que j'ai pu sauter une fois? Putain, j'ai fait un big jump. Ok, pas compris. Alors, est-ce que ça valait la peine de crever?
Bah voilà. Le trésor de Lambda. Bien joué, Prisalène. Si tu connais pas le trésor de Lambda, c'est que t'es pas vraiment un concurrent finalement. Alors je veux bien t'en parler. Lambda est le nom d'un célèbre bandit qui était autrefois les quatre, qui faisait autrefois les 400 coups à travers tout Hyrule. Il était dingue de mode et d'après la légende, sa collection de fringues est encore cachée quelque part. Je pense que les grottes apparues dans le Clatonis font des cachettes idéales, surtout du côté des terres d'Ordine. Avant la montagne, la mort était en éruption, on pouvait pas s'en approcher. Mais depuis qu'elle s'est calmée, tout s'est refroidi, il reste plus qu'une immense zone rocheuse. Ah, c'est pour ça qu'il fait seulement chaud là-bas et pas hyper chaud. Ça doit être plein de grottes qui ont jamais été explorées. Mais tais-toi enfin, tu sais vraiment pas tenir ta langue. Rire, fais pas attention à Livagle, ou puisqu'il vient de dire, ok? D'accord! Bon. Vers la gauche. Là-bas. Pas très très vite là. J'ai même pas fait gaffe, j'étais à combien de trucs. La panda elle made. Faudrait que j'aille voir une statue après. Parce que j'avais dit, ouais, je fais quelques sanctuaires, bah j'en ai fait plus que quelqu'un. Bon, ce sanctuaire, j'imagine, vu qu'il est très proche du début du jeu, il va être assez simple. J'y pense, il y a le sanctuaire de merde, là, l'un des premiers sanctuaires que j'avais fait, que j'ai pas fini parce qu'il me saoulait, parce que c'était de la... c'était random. Là, la boule, là, où il fallait faire une espèce de flipper. J'ai toujours pas fait, hein. Ah, certains arcs tirent plusieurs flèches. Bah, j'aimerais dire que... faut probablement utiliser ça. Je sais pas, à tout hasard. Oh, 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 mais jure, c'est ça qu'il fallait utiliser. Oh, mais... oh, mais non. Ah. Ouais, bah non, vraiment, je m'en fous. Mais comment? Ah, je peux utiliser une planche pour... Bon, attends, on va la faire comme ça a été pensé. Ah mais attends, ça me donne juste un coffre? Ah, je crois que ça me donnait la clé. Putain, mais en plus juste pour un truc que j'ai déjà... merde, mais attends, mais ça sert à quoi ça alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout que là je suis bloqué, hein. À moins que ça puisse me ramener loin en arrière, mais je ne crois pas. Ah bah non. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Hein. Sinon je la brûle et il y en a une autre qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de particulier dans ce cas? Parce que je comprends pas, elle est où la suite? Enfin, si c'est pas ça la suite, c'est quoi la suite? Merde, je l'ai fait trop tôt.
Bah c'est long. Ah si c'est bon. Vite. Ah faut les allumer, putain j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait une torche ici. Ah merde. Oh et attends, tu sais quoi, on va pas se faire chier. Hein. Ah oui. Ah mais la flemme. Attends quoi? Mais attends mais. Ah et le X c'est qu'on a qu'une boule. Ah putain, j'ai pas eu le temps. Mais putain, elle se retire direct. Ouais, en fait, si, je sais ce que je dois faire. Enfin, c'est ça en vrai, mais... Bah non, attends, ce que je vais faire, je peux pas. Attends, on va les laisser ici. Ok. Maintenant. Voilà. Ah non, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Parce que là, ok, j'ai beau faire ça, mais... Ah mais ça, on peut l'activer à cette distance. Ah mais je savais pas. Je croyais qu'il fallait être proche, moi. Oh mais attends, mais c'est craqué, je savais pas. Oh mais attends, mais c'est trop fort. On peut stopper les... On rembobiner les trucs à cette distance. C'est n'importe quoi. Mais attends, il y a... Putain, mais dans les précédents Zelda et même dans ce Zelda, ça n'a pas été le cas. Pourquoi là, d'un coup, tu peux faire ça de si loin? Ouais, je suis à 11, il me faudrait au moins un sanctuaire. Au moins un seul. Et je me dis là par rapport à la map, ça se trouve on peut rentrer par le bas dans le château. Je ne le sais pas. Ouais, je sais pas s'il y a un accès. Bon, est-ce qu'on irait pas de retour là-bas? Ou est-ce qu'on irait pas voir si par ici il n'y a pas un petit sanctuaire à choper là? Elle est pas si grande que ça là ma fille. Ah putain mais les profondeurs ça va être horrible. Hein.
Putain, mais j'ai trop envie d'aller dans la forêt. Mais la forêt, je pense vraiment, je ferai ça une autre fois. Ah ouais, là, il y a la tour de ces morts, hein, comme le disent les jeunes. Cette tour de merde, là, je sais pas comment l'activer. Je vais regarder sur internet. Je vais aller activer cette tour, mais je vais regarder sur internet. Parce que c'est pas normal que je puisse pas l'activer. Parce que le mec, il dit... Ouais, va dans la grotte qui est là. Je vais littéralement... Enfin, il dit, va à la grotte qui est au pied de la tour. Bah, bro, y a rien dans cette grotte, en fait. Donc, je sais pas ce que je dois faire. Donc, c'est dit. Je le crée. Je regarde sur l'internet pour voir qu'est-ce qu'il faut y faire dans cette tour pour la débloquer, parce que bah moi je peux pas la débloquer. Du coup faut que j'aille en bas. Elle est où la tour? Ah oui, il y a un boss là-bas d'ailleurs. Il y a un boss caillou. Là-bas il y a une autre tour. Putain, mais en vrai elle veut tout faire, hein. Je l'avais déjà dit, hein, la dernière fois, mais franchement, on fait cette tour, on fait l'autre. Hein. Oh, oh, le arc-en-ciel. Là-bas, il y a encore une tour. Korogu. On n'a pas vu beaucoup de Korogu aujourd'hui. Sauterelle. Comment s'appelle cette tour? De la plaine Sast, là. Tour de la plaine. Putain, c'est bizarre, je dis ça et Google sait exactement où je dois aller. Bon, comment elle marche cette tour de merde? Comment l'activer? Alors, entrez dans la grotte, cassez les rochers à l'aide d'une combinaison bâton plus caillou. Plus vous détruisez de roches, plus votre arme se brise, mais vous récupérez aussi une nouvelle pierre pour façonner. Cassez particulièrement les rochers sur votre droite et continuez le plus loin possible jusqu'à tomber sur un Elusis. Une fois dans cette cavité, revenez dans celle juste avant aux coordonnées et utilisez le pouvoir infiltration. Ah, faut entrer dans la tour par en bas. Ah ouais, ah, ah ouais, bah non, bah j'ai bien fait de regarder. Oh, j'aurais jamais... Ah, ça, j'y aurais pas pensé. Mais attends, il dit quoi, le... Ça se trouve, le PNJ, il dit ce qu'il faut faire, mais... Mais tu n'écoutes pas ce qu'il faut faire. Bon. Oh, des rubis! Mais je savais pas qu'on pouvait avoir des trucs qui drop des rubis. Là où c'est le bête, là? Putain, mais c'est trop bien, je savais pas. Donc on peut dropper des rubis dans ce jeu. Trop cool. Alors là, je le découvre, hein, vraiment, je savais pas. Bah du coup ici... Ah merde, ils ont respawn du coup. Attends, il faut que j'aille vraiment en dessous de la tour du coup. Ah mais même là? Ah non. Attends, on va essayer. Mais en plus j'avais déjà essayé. Ah non, c'est juste à côté. Je me souviens, je l'avais déjà essayé, c'est ça le pire. Putain. Ah non, on peut pas, hein. Ah ici, ici on, ça doit être ouvrable. Ouais vas-y, hein, casse-toi. Hein. Bon attends, on va les affronter. Voilà. Parfait, ça c'est ce que je voulais.
Ouais, d'accord, et en fait, c'est ça. Et là, en fait, par ici, on peut un petit peu avancer. Et là, il y a une autre cavité. Et à partir de celle-ci... Oh, ça faisait une bite, hein. Et ici, il y a quoi? Oh. Le lapin. Ah, il est parti. C'est toujours pas à quoi ça sert, hein. Oh, du sel. Oh, j'ai eu du topaz. Et donc, depuis cette salle, maintenant, j'imagine exactement ici. Ah mais tu peux pas le deviner, hein, ça vraiment. Ah. Attends, mais comment t'as fait pour entrer? Je sais pas. Ah d'accord. Je me suis réveillé. Et puis voilà. Ça y est, la porte s'est ouverte. Comment tu t'y es pris pour la réparer? Tiens, hé hey. J'en reviens pas à dire que la porte était coincée par des bratons. Je viens me demander si c'est un pur hasard ou un tour que les monstres m'ont joué. Enfin bref, tu me tires d'un bel embarras. Merci. Bon alors rentrons. D'accord. Ah, le mécanisme, ça me fait des jours maigres. Laisse-moi huiler tout ça. Et voilà, il suffisait un peu l'huile pour te remettre sur pied. Bon, eh bien, il faut que je passe à la tour suivante, moi. Alors, je dois déjà te dire au revoir. Au revoir. Et je me trompe. Hop. Passer. Examiner. L'intérêt aussi pour moi d'activer les tours, en plus de voir la map. Et ouais, tu peux pas deviner que tu vas passer au travers le machin qui te donne de la hauteur. L'intérêt... Ah, je savais pas qu'on pouvait bouger comme ça. Bah c'est de voir où sont les sanctuaires depuis le haut. Donc là déjà, tu vois qu'il y en a un là-bas. Ah, j'ai cru voir un dragon, je suis pas sûr. Attends, s'il y a un dragon, en vrai, on va aller le voir. Hein. Et ça me permet d'atteindre les îles célestes aussi. C'est un accès aux îles célestes et très souvent à côté des tours, il y a des îles célestes. Ok, marécage. Ouais, y'a rien de particulier après. Ouais, les îles célestes, elles sont assez vides. Hein. Y'a des trucs, mais c'est un peu vide de temps en temps. Attends, le dragon, j'avais cru le voir derrière moi. Ouais, on l'entend. Ouais, là-bas. T'as le dragon de glace. Ouais, mais ils vont dans les trous, les dragons. Ah, mais je vais avoir giga froid avec lui. Putain, par contre, j'ai loupé un sanctuaire qui était littéralement à côté. Ouais, mais ça sert à rien, j'aurai pas le temps. Village de Cocorico. Ah. Ok, je savais pas du tout que le village de Cocorico était là. Putain, il y a un dragon qui passe chill à côté du coup. C'est quoi ça?
l'impression que ça a pas trop marché. Attends, on va se rapprocher. Écoutons, on va le suivre. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un TP en vrai. Je crois que c'était un dragon de froid. Ça se trouve, c'est un dragon de froid, mais parce que j'ai la tenue anti-froid, ça va. Et il va où le dragon? Tu vas où, monsieur le dragon? Ah, s'il a l'air de faire froid quand même. Oh! Attends. C'est quoi ça? Des dracoroches de Nedrak. Ah, si, autour de sa tête, il a l'air de faire plus froid quand même. Mais attends, mais je veux d'autres dracoroches là? Il y en a une là. Je veux le caillou, moi. Je veux que le caillou de dragon. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les profondeurs, les dragons? Juste ils se baladent? Donnez-moi les cailloux des dragons. Attends, on va essayer d'en prendre le plus possible. Est-ce que je peux taper? Oh. Ah, j'imagine quand ça brille, tu peux en récupérer. Ah, oh, mais du coup, là, on voit les dracoroches. Il y en a plein. De l'argent. Oh. 100%, ça fait du rubis, ça. Hein. En plus, c'est trop pratique, on peut se déplacer sur lui, chill. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Ouais, faire gaffe, hein, parce que là, je suis au bout de sa queue. Ah, du coup, c'est juste, il se balade dans les profondeurs, après. En vrai, on peut aller là-bas, hein. Comme ça, on débloque un truc. Parce que là, on voit rien. Ah si, on voit des choses quand même. Hein. Bah, il y a du caillou. Putain, on voit que dalle. Hein. Bah, j'aimerais bien aller là-bas et là-bas à la fois. Y'a quoi là-bas? Y'a rien. Hein. Ouais, c'est juste un plafond. Ouais, allez, vas-y, on va aller là-bas. Merci, monsieur le dragon. Merci pour probablement vos rubis. Ah, là-bas, il y a des esprits. L'occasion de voir si ça fait beaucoup de lumière ou pas aussi. La racine attaque à l'ouk. Ah oui, ça fait un... Ça m'a débloqué une belle zone. Ah oui, mais ça éclaire de ouf. Oh, des statues. Oh. Oh non, ça pue le linel, ça. Oh non, ça pue le linel. C'est vrai que j'en ai pas vu encore des linels. Hein. Ah non, c'est un Zora. Putain, je croyais que c'était une espèce de centaure. Attends, je vais aller récupérer les petits esprits. Mais attends, mais je suis en train de me dire... Bah, en vrai, les souterrains, s'il y a des trucs comme ça qui te font beaucoup de lumière, c'est chill. Hein. Je sais pas, on va prendre ça, je sais pas à quoi ça sert. Oh, il y a un truc ici à faire. Ouh, l'herbe qui spawn devant moi là. Ouh, ça me rappelle Pokémon. Bonsoir.
Bon, y a très probablement un boss ici. Ah. Ah bah y'a... Y'a un autre truc. Je saurais pas définir cet endroit, c'est assez particulier. Ah. Et ici, là, y'a un truc à faire. Et là, on a une arme qui est pas rouillée. C'est cool. Je viens d'où, moi? C'est là-bas? Ah non, ça s'en est une autre. Attends, et là-bas, il y en avait encore une autre? Ah, donc il y en a plein, en fait, de ces trucs-là. Ah non, c'est celle-ci que j'ai allumée avant, my bad. Bon attends, on va monter quand même. Il y a une espèce de maison là-bas. Là. À côté des dragons. Faut que j'aille voir après combien je peux vendre. Hein. Oh le petit Yelan Stonks là. Faut voir hein, combien se vendent les drops de dragon. Parce que plus 16 de puissance, moi je m'en fous. Hein. Ah voilà, il est là-bas le truc que j'avais vu. Ah mais après il est giga loin, j'ai l'impression. Ça va être un peu compliqué de l'attendre. En vrai, on voit, mais pas non plus giga bien, quoi, donc... Je sais pas si j'y ai accès comme ça. Ouais, là, j'aurais pas dû aller sur ça. Parce que là, j'ai pas de quoi me reposer. Eh ben, on en aura fait des choses aujourd'hui, hein. Enfin, je pense que je vais m'arrêter à 2h du mat'. Mais putain, on... Voilà, c'est la grande vadrouille. Hein. Alors, est-ce que c'est mon dragon là-bas? Et oui, il y a un truc allumé là. Ah, mais ça doit être des... Ça doit juste être des camps de monstres. Hein. Ça se trouve, c'est un camp de Korogu là qui fait de la lumière. Korogu qui cherche son pote. Ah oui, mais c'est vachement bon en fait ce que je vais aller faire. Ah merde. Y'a pas de la lumière ça? Ça va rien ces maudits esprits. Que là je vais vraiment vers l'inconnu quoi. Là je sais pas où je vais. Hein. Pas trouver le Warden à un moment. Ah il faut que je monte beaucoup trop là. Ça fait même pas tant de lumière en plus ça. Hein. Bon, au pire on en prend. Hein, c'est... Ce serait trop marrant qu'il y ait un truc qui me tire dessus là. Et qui me one shot. Se trouve les esprits on peut les revendre. On a le droit de revendre des âmes. Je pense que ça se vend bien. Oh des fleurs bombes, c'est cool. Je sais pas, je prends tout. Ouais tant pis. Je vais remonter. J'avais vu des. Oh putain mais j'en ai fait du chemin moi. Ah oui j'étais là quand même. Ah oui là il y a les. Ok. Ouais, ça serait bien de débloquer ce TP au moins.
Mais par contre, ouais, après avoir pris ça, j'en ai vu, hein, des... J'en ai vu des sanctuaires, moi. Mais ouais, j'imagine... Bon, c'est sûr, il y aura des Korogu dans les souterrains. Est-ce qu'il y a des sanctuaires dans les souterrains, ça? Faut que j'envoie un, mais je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Après, des sanctuaires à débloquer par des énigmes, j'en ai pas encore vu. Parce que je ne cherche pas à faire des énigmes. Oh, il doit y avoir un truc là-bas, là, devant. Ah, mais ça se trouve, c'est un temple. Y'a quoi devant moi, là? Ok, donc non, il y a juste... Okay. Sanctuaire. Là-bas, y en a un. Même là, là. Hein. Yes. Ah, y en a un. Vas-y, go, hein. Ah, mais du coup, le village Korogu, il est où? Le... Cocorico. C'est où, les Cocorico? J'étais où avant? Et où le village Cocorico? Ah, il est là. Ouais, parce qu'il y, y en a un des temples, là. Je les ai pas faits, mais il y en a. On sait pas, si ça se trouve, Impa, elle est morte. On sait pas, hein. On n'y est pas encore allé, on peut pas savoir. Hein. Ouais. C'est un sanctuaire. Mais on a peut-être un deuxième, hein. Après, ça voudrait dire qu'il y en aurait deux ici, ce serait un peu bizarre. Bon là, il va nous dire « Ramène-moi ma pierre, ma pierre. Apporte-moi mon caillou. » Il est où le caillou? Oh, il est juste à côté. Zigzag. Ça à quoi ça? Ah! T'avais pas vu? Ouais, bah déjà on va là-bas. Bah, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Bah ouais, et après. Moi, un truc qui me vient en tête, c'est juste, je fais tourner ça. Je m'amuse à faire tourner ça et après, je fais une rétrospective. Genre je m'amuse à faire un tour complet, enfin un big tour, et après bah je cours quoi. J'aurais pas le temps. Reste. J'aurais jamais le temps. Ouais, j'aurais pas le temps. Bah si, attends, je peux totalement faire ça. Parce que vu que j'ai le pouvoir de cet oiseau. Ah, j'ai vu qu'il y avait un truc en dessous, là. Excuse. Oh, marche. Bah ouais, je fais brûler ça et après je vais le récupérer. Hein.
Moi j'aime bien ma solution. Alors j'imagine faudrait passer sur l'île qui est à gauche et tout, flemme. Hein. Putain mais c'est vrai qu'on peut l'activer de loin cette merde. Mais ça c'est n'importe quoi. Hein. Qu'on puisse l'activer. Oh putain, je me suis fait bait. Putain, mais c'est où? Mais non, c'est vraiment là. Ah, j'aurais pas le temps. Non, c'est bon. Quoi? Pourquoi il a tourné autant? Est-ce que c'est bon là? Non. Oui. Non. Si c'est bon. Putain. T'es bon. Papa, t'es bon, Dereudi. Ah mais d'ailleurs, pour récupérer le coffre, en vrai, là, je peux le faire tomber juste sur la plateforme qui était en dessous. Vas-y, c'est bon, vu que ce truc-là, on l'a. Le coffre, il est où? C'est bon, là, non? Je sais rien, on va faire ça après, de toute façon. Ça y est, on t'a débloqué, on est content. En espérant que ça met pas reset la position du machin. La cinquième céleste des Necludanor. Putain, j'ai dit tellement avec ma voix enrhumée. Rafale. Il y a peut-être un truc ici d'ailleurs, hein. Je suis pas allé. Bon, est-ce que c'est bon ici? Ah, c'est un peu ric-crac. Mais ça devrait aller. C'était pas prévu ça. Ah, non, attends, ça veut dire faut juste le récupérer? Ah non, c'est trop. Flèche de feu peut-être? Ou juste une flèche? Ou juste une flèche. Vieille carte. Cette vieille carte a l'air d'avoir traversé les siècles. Un emplacement y est marqué. Mais de quoi faire peut-il bien s'agir? Mais trop bien! L'endroit indiqué sur la vieille carte a été copié sur la carte de la table de Prue. Putain, mais c'est trop bien! Non, mais c'est fou! Ça, c'est une ref à Wind Waker. Non. Non. Mais comment je remonte, moi? Comme ça. Par contre, giga intéressant, la carte. J'ai envie de faire trop de choses. J'ai pas envie de m'arrêter, quoi. Enfin, il est tard. C'est le seul problème, pour le coup. Mais j'ai trop envie de continuer. C'est les couilles. Mais le jeu... Mais c'est pour ça que j'ai pas envie de faire du Genshin en stream là, c'est à cause de Zelda. C'est à cause de Zelda que je fais pas de stream que je fais pas de Zelda. Oh, c'est à cause de Zelda que je fais pas de Genshin en stream. Parce que Genshin, je fais jamais mes quêtes quotidiennes, ça me suffit. Là, je suis vraiment en mode Zelda hein, pour le coup. Ouais. Et le truc, c'est d'avoir deux. C'est pour ça que je veux pas jouer à Honkai Star Rail, c'est parce que d'avoir deux jeux de MiYoYo, ça va faire comme Zelda et Genshin. Je peux pas avoir les deux en même temps. Enfin, je peux pas vraiment tryhard les deux en même temps. Genshin, ouais. Je veux bien y jouer. Je veux bien tryhard
avant de que son fontaine sorte, mais c'est tout, enfin vraiment. Ok. Bon, désolé. J'avais besoin de me moucher. Mais avec un vrai mouchoir, pas du PQ. Bon, je me reset up. Bah, évidemment, mon rhume n'est pas terminé. En plus, tout à l'heure, je suis resté longtemps au sport. Enfin, plus longtemps que la normale. Et j'avais pas mon gilet et je sentais que mon corps s'était refroidi de ouf et j'ai peur que ça relance totalement mon rhume à cause de ça. Où est-ce que je peux aller? C'est quoi là-bas? Je suis pas allé là-bas, on est d'accord. Ah. Ouais, c'est mort. Y'a quoi en dessous? Ah oui, le village Cocorico. C'est vrai que j'avais dit que j'irais. Ah, ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Y'a un truc pour monter. Ouais, ça sert à rien. Bon, des sanctuaires. Parce qu'à la base, voilà, c'était pour ça. C'était pour ça que j'étais là. Donc ça, c'est le sanctuaire qui mène au village Cocorico. Chaud de voir ce qui se passe au village Cocorico, quand même. Wow. Putain, ça fait vraiment une énorme accélération, ça. Bon, là, j'imagine, on est au village Cocorico, ça va être un truc vraiment gigacon. J'imagine, peut-être. Oula. Ah, Qui a éternué? Ce qui se relève? Pourquoi j'ai l'impression? C'est juste ça. Vraiment juste ça. On peut pas avoir des donjons comme ça là, c'est bien ça. Oula. Oh! Ah, je crois que c'est un marteau. Mais c'est quoi ça? Merde. Ah, mais il va se péter. Il me casse les couilles. Ah. Quoi?
Bah d'accord, du coup faut utiliser ça, mais... Ah bah non, attends. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Non bah moi ce que je veux faire c'est... Ah c'est ça. Ok, je sais pas si c'était ça la vraie solution, mais... Bon, j'ai même pas envie de prendre de coffre, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Parce que toi, on peut te prendre, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait avec toi? Parce que là, j'imagine, je peux pas aller assez loin pour le mettre là. Ah si, je peux? Ah non, mais attends, ça sert à rien. Après, je peux... me coller à ça pour me la tirer. Et ça aussi. Mais du coup, quel est l'intérêt de prendre ça? Parce que là-bas, il y a un coffre. Ah! Ah, j'avais pas vu. Je sais pas si ça me donnera assez d'auteur. Hein. Ah, ça se relève forcément. Est-ce que ça passe? Yes. Bah du coup ça j'en ai pas besoin. Ah si c'est collé. Ah oui donc non en fait j'étais obligé d'aller là. Enfin ça me permet d'avoir le coffre mais... Mais bon, le coffre, je pense que je m'en fous un peu, quoi. Bah, écoute, avec plaisir. Alors, est-ce que ça se relève en fonction de là où tu le tapes? Ouais, non, c'est un peu de la merde. Ça on va le mettre là. Non. Non. En fait, c'est ceci. Là. Et donc là maintenant, on débloque un big truc, mais pour nous. Qu'il faut cumuler à lui. Merde. Ça j'aime bien, ça c'est rigolo. Putain mais il y a des dingueries hein. J'ai beaucoup aimé la mécanique de ce truc qui se relève. Très cool. Mais en fait les...
Les sanctuaires, pour l'instant, tous ceux qu'on a fait, je les trouve pas durs, mais je les trouve vraiment fun. Hein. Il y en a, ils sont vraiment très fun. Bon bah, ça y est. Alors, village Cocorico. Qu'est-ce qu'elle change? Ah, mais attends, mais il y a une statue ici. Elle est où? Il y en a eu. Elle est là. Elle est là, non? Elle est là. Des cœurs! Ah, je veux des cœurs! Ah, m'a pas parlé des trucs des sages. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on fout le cœur, hein. Oh, il y a un Korogu derrière. Oh, il y a 100% Korogu derrière moi d'ailleurs. Alors, est-ce que ça va me lancer ma deuxième ligne de cœur? Là, je monte à 11 cœurs. Hein. Ok. Je sais pas, c'est combien de cœurs par ligne? Bah, il ramène la paix dans le monde. Ici Korogu, là. Même pas? Putain, étonnant. Bonsoir. Dame Paya devrait s'occuper des affaires du village, mais dès que j'ai le dos tourné, elle préfère se consacrer à autre chose. Hein? Link! Ça faisait longtemps, je ne m'attendais pas à te voir, tu parles d'une surprise. D'autant que j'étais plongé dans mes pensées à cause de notre chef. Votre chef? Bon, c'est vrai que tu n'es peut-être pas au courant, notre ancien chef Damimpa a cédé sa place. Pourtant, c'est Dame Paya qui est la chef du village de Cocorico. Quant à moi, je suis son attendant. Mais en ce moment, Dame Paya délaisse ses obligations envers le village et semble obnubilée par ses vestiges circulaires. Elle n'écoute rien de ce que je lui dis. D'ailleurs, en ce moment, au pied de ce vestige circulaire, avec le directeur du groupe d'archéologie Sonneur. Peut-être qu'en voyant, elle se souviendra de son statut de chef et des responsabilités qui lui racontent. Tu veux bien aller saluer Dame Paya? Elle est où, Impa? Je crois qu'elle était là avant. Peut-être une arme ou un truc à récolter. Ouh, ça lague. Ah, là, il y a un bouquin. Saisir? Saisir quoi? Allez. Ah, au moins c'est bien, il y a des lits dans les maisons, ça change d'un autre jeu. On va aller voir la madame. Ah, elle, mais... Ah, alors je sais pas si je l'ai vue dans les trailers ou dans Hyrule Warriors, je sais pas. Ce vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village est de loin le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir. Faire surveiller ces vestiges, j'ai invité aussitôt le groupe d'archéologie Sonneau, témoigne d'une grande clairvoyance. Maîtrisez à la perfection votre rôle du chef du village, Dame Paya. Non, je veux à vrai dire, je n'ai juste pas pu refuser quand le chef précédent a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Mon titre de chef ne veut pas dire grand chose pour un temps, il me reste beaucoup à apprendre. Oh, monsieur Link! Oh. J'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. J'aime bien son design. Je crois que c'était Impa quand elle était en mode jeune, elle était très stylée. C'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous les deux sains et saufs, son Altesse Zelda et vous, Monsieur Link. Ah, la Zelda, non? Comment? Son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée? Voilà qui est étrange, je suis pourtant sûr de l'avoir rencontrée. C'est passé juste après le cataclysme. Altesse Zelda était venue au village de Cocorico. Elle ordonnait de ne laisser personne s'approcher du vestige circulaire. Ah, c'est ça qu'elle appelle vestige circulaire? Flottant au-dessus de nous sous aucun prétexte. Au revoir, je suis bel et bien sûr d'avoir rencontré son Altesse. Ah, mais ça doit avoir un rapport avec le temps. Vu que Zelda, c'est la sage du temps. Ça doit avoir un rapport avec le temps. Parce que pareil, quand on avait vu Zelda, il y avait des trucs ronds comme ça à côté. C'était dans le temple du vent. On l'avait vu.
Et même dans le Temple du Temps, en sortant des îles célestes, on avait vu Zelda, on avait vu la cinématique, on a perdu notre Master Sword, qui a été, j'imagine, envoyé dans le passé pour être réparé, ou genre, que sais-je. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment. C'est de ça que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Si vous dites que son Altesse Zelda n'a pas été retrouvée, je ne peux pourtant que vous croire, Monsieur Link. Toutes mes excuses, j'ai oublié de faire la présentation. Voici le professeur Taoro. Enfin, j'imagine Taoro, il s'appelle. Il dirige le groupe d'archéologie Sonao. Je l'ai convié, lui et son équipe, afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur le village et ses alentours. Avec sa profonde connaissance de la culture Sonao, le professeur Taoro fait figure d'expert. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sonao, c'est quelqu'un de très talentueux. Ah donc il fera partie des persos importants. Ce vestige circulaire flottant dans les airs dont on nous a interdit l'accès unique au village de Kokoreko. C'est une ruine précieuse, elle a un intérêt exceptionnel. Son histoire presque tous brille. Je crois que j'ai skippé un dialogue sans faire exprès. C'est une ruine précieuse d'un intérêt exceptionnel. Et après... Plusieurs autres vestiges, j'imagine plusieurs autres vestiges ont été vus. Ils sont hélas presque tous brisés lors de leur chute, mais nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué que le terme sage revenait sur chacune d'elles. Donc j'imagine, ça doit être la Zelda. Il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. A mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village renferme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages. Seulement, je ne peux quand même pas désobéir à un ordre direct de Dame Zelda à étudier ce vestige comme si de rien n'était. Si moi je pouvais la rencontrer à nouveau pour la convaincre de revenir sur sa décision. Et après ce que tu nous as raconté, Link, une chose m'intrigue. Si la princesse s'en est sortie saine et sauve, pourquoi ne se présente-t-elle pas simplement à nous? Cette Zelda a certainement une bonne raison. Tant que nous ne serons pas clairement ses intentions, nous devons respecter sa décision et rester à l'écart de ce vestige. Je veux y aller! Bliblablobla. Ah. Ouais. Viens ici. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mais connard, Zelda, c'est... Mais pourquoi? Mais pourquoi il fait ça? On n'a pas vu de Korogu, hein. Bizarre qu'on n'ait pas vu de Korogu. Mais moi, j'aimerais te dire, qu'est-ce qui m'empêche de passer tout simplement par en haut? Ah, à moins que ça se soit considéré... D'accord. Ok, donc d'accord, peu importe ce que tu fais. Donc ça veut dire que, j'imagine, s'il nous bloque pour ça, ça veut dire que Zelda, on la sauvera avant le boss final. Donc si ça se trouve, Zelda, elle va nous accompagner en tant que sage. Ah, ça veut dire qu'il y a un cinquième temple, peut-être. Je me dis. Parce que là, on a fait le temple des... Comment ça s'appelle? On a fait le temple du vent. Là, ça doit être le temple du feu, de l'eau, et j'imagine de la foudre ici, le temple de la foudre, ou le temple du tonnerre. On avait fait le temple du temps qui était là. Mais j'imagine que ça, c'est pas un vrai temple du temps. Mais qu'il y en a un autre qui nous permettra de sauver Zelda après avoir fait... les quatre temples là, et j'imagine qu'après avoir eu Zelda, on pourra faire ça. Enfin, j'en sais rien. Juste, je l'ai dit, je l'ai placé. Si ça arrive, bravo à moi. Mais vu que lui, on n'a vraiment pas accès et qu'on a besoin de Zelda, c'est que pour moi, ça va être comme le petit pief qui nous suit partout là. On aura les quatre sages qui nous suivront, plus probablement Zelda du coup. Mais oui! Bah oui, non mais c'est sûr, c'est ça. Parce que sur ça, il y a 5. Il y en a 5 des trucs.
Donc oui, c'est sûr, on aura le pouvoir de Zelda à un moment. C'est quasi sûr. Et ça se trouve, le pouvoir de Zelda, bah, c'est la Master Sword. Genre, dès qu'on trouve Zelda, on a la Master Sword. Je pense que c'est ça. Ce serait logique, en vrai. Mais du coup, je me demande à quoi ça sert d'aller là, dans la forêt des Korogu, parce que bah, avant, t'avais la Master Sword là-bas, mais maintenant, quel est l'intérêt d'y aller, tu vois? Je ne le sais pas. Est-ce que je suis allé dans ce trou? Ah oui, j'y étais allé. C'est quoi ça? Dernier emplacement. Ah, mais il y a ça aussi, là. Mais c'est giga loin. Ça, c'est cool qu'ils nous l'ont marqué comme ça, on peut savoir. Par contre, c'est une dinguerie là. La racine qui éclaire tellement moins que l'autre. Franchement, c'est trop cool. Aujourd'hui, on a des petites théories. On a bien avancé, hein, je trouve, là, pareil, au niveau des trucs des maps. Franchement, c'était cool aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, comme j'avais dit. Ouais, je vais m'arrêter vers 2h du matin. Franchement, là, c'est parfait. Non, vraiment, de belles avancées, des petites théories. Vas-y, on peut profiter de... Bon, je t'avoue, j'ai un peu la flemme de suivre ce qu'il me dit. Hein. Mais vu qu'il y a une quête, on la débloque. Allez, petite save. Du coup, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Silver Crow, évidemment, comme d'habitude, d'avoir suivi le stream. Je vais regarder si demain, j'ai un truc de prévu demain soir, mais je ne crois pas. Du coup, s'il n'y a rien de prévu, bah demain, je stream. Non, il n'y a rien de prévu demain. Eh bien, bah demain soir, je stream normalement. Sauf si je ne sais pas qu'on a des invités chez moi. Mais normalement, ça devrait être bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit stream. Et écoute, bah, si demain tout va bien, ça partira probablement sur Mario World, à moins que... J'ai juste regardé vite fait la chaîne VOD pour voir si au cas où j'oublie un contenu potentiel. Ouais non, bah non, c'est du Zelda et du Mario Bros. Du Mario World du coup. Donc ouais c'est vrai, en ce moment je suis bloqué sur deux types de contenus. C'est le marathon des Mario 2D et Zelda. Ça serait bien que je trouve autre chose à faire. Déjà te refaire du Genshin, parce que mon dernier stream Genshin remonte à quand ? Presque 3 semaines quand même. Hein. Et c'était pour le big event. Ouais. Bon, on verra bien. Bon, allez, sur ce, je te dis bien évidemment à la prochaine. Et puis voilà. Allez, bonne nuit.